weinen. Oh, Tom, Tom, not Dick Island. Alright, ok. C'est la première journée à Halong Bay. On a fait environ 3-4 heures de kayak, on est crevé. Fait que là, je vais vous montrer un peu, je vais faire un tour genre du bateau qu'on a réussi à louer. Ça ici, la magnifique vue. Ça c'est les belles toilettes qu'on a pour les deux jours qu'on va rester. C'est ce qu'on mange. What's up guys? Il commence à faire frais un peu. Bon, on est fatigué, ça fait genre 3-4 heures qu'on fait l'excursion. Ça, c'est notre guide. Say hi! Hello! Let's go! Mais quelle vue! Ça, ici, c'est là qu'on mange. Puis le matin, on a la vue. D'un dignitaire qu'une famille a acheté. Et ici, c'est de l'entrée. Ça, c'est de leur jardin. Je vois la. Quand même, c'est impressionnant. Nick est en train de faire ses affaires de Nick. Sa maison à côté. Super beau le jardin. Très bien entretenu. À la maison ressemble un peu à un temple. Ça, j'ai demandé au guide. Il disait, ah oh, non, non, c'est un ancien. C'est une ancienne maison. Il a dit, qui date environ 168 ans. Puis, si on regarde ici les carvings, ça. Tout ça, là, c'est fou, là, c'est fait à la main. On va regarder un peu à l'intérieur. C'est quand même vraiment impressionnant. Moi, j'étais sûr que c'était un temple. Dès que je suis rentré, j'ai demandé au guide, c'est-tu un temple? C'est-tu correct qu'ils sont dehors ici? Comme, ben ouais, c'est un ancien... c'est une ancienne maison, genre de dignitaire. Il y a combien de lits? 2, 4, 6 lits. Il y a Alexis qui fait des beaux dodos.